Et c'est parti pour l'épisode 7. Alors, on se retrouve pile où on s'était laissé. Notre géant va poser on va améliorer ces plantes là. Hop, 150. Et parfait. On a tout. On devrait finir l'apothicaire. Bon, eux, ça a été assez facile. Vous, vous êtes dans la merde. Toi, tu vas m'améliorer ça. On est loin des 300 demandés. Mince, vite, 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 pars. C'est ce village-là, faut les calmer. Il va falloir les calmer. Ils veulent plus, mais ils veulent plus de quoi? Qu'est-ce que je peux leur donner de plus? Comment les calmer? Sur les plantes, j'ai encore de la place. Si ça, ça donne quoi? Ça donne de la tech. Ça m'intéresse pas. Nourriture, tech, nature. Oh tiens, celle-là pourrait évoluer. Hop. On va donner un peu plus de tech et de nature. Encore. Ici. Non, la dent des lions, faut qu'on la garde. Ici. Toi, tu pourrais donner un peu de nature encore. Ici, c'est plein. Ici, c'est plein. Et là-bas, je pourrais améliorer ça. On va leur donner tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il continue de poursuivre mon... Ah oui, a priori, les voilà. Ça, ça m'arrange pas. Alors... Forest Ambassador. Donc là, tout le monde en a un. Fruit Aspect, il me semble que c'est celui qu'on a pris... Océan Crystal Aspect. Swamp. Ah oui, on va le mettre sur le swamp. Plus ça va améliorer notre capacité à faire des herbes. Allez, tu vas mettre du Reaction Aspect ici. Où il en est, lui? 12 minutes restantes. Allez, reviens de ce côté. Toi, viens là. Tu vas l'aider en tuant tous les villageois. Alors, ça donne 3 de plus. Et on peut l'évoluer en copper. Copper ne donne que 13. Mais avec un Reaction Aspect, on a de l'iron. Ça, ça m'arrange. Hop. On va augmenter nos chances d'avoir un potent. Allez, avec un peu de chance. For each different iron. Donc un d'iron, c'est bon.
ça va nous aider. Allez, on y croit. Il y a du phosphore aussi. On met de l'iron déjà. Voilà, ça c'est intéressant. À côté, il va falloir reposer une mine en fait. Ils sont où ceux qui me suivaient ? Ils sont plus là a priori. Alors si on pose une mine à côté. Donc au moins je peux leur mettre de la tech en plus à ceux-là. Finalement là ça rapporte que 13, là 19, alors que si on les améliore, ça peut aller jusqu'à 22. On va faire du copper. On va essayer dès qu'on peut de l'améliorer pour faire encore un potent. Hop là, vas-y. Et on va tenter la mine de phosphore, 22. Et la mine de phosphore peut gagner 10 de tech pour les plantes à côté. Ça, c'est intéressant. Du coup, si là je remets une plante et que là, derrière, je mets une mine de phosphore, on est bon. On est bon. Donc on va gagner un peu plus de technologie. Donc tu vas reposer une plante. Et toi, tu vas mettre une mine. Oui, bah du coup tu fais des meilleures plantes. Et à côté tu reposeras une plante. Et tu vas l'améliorer. De là on peut évoluer en copper. Là il va nous falloir un potent. Tu me reposes une plante à côté. Est-ce qu'on a de la tech pour les plantes? Mince, ils m'ont retrouvé. Donc ça, il va falloir que je l'évolue. Allez, hop. Allez, si ça, ça marche, on va monter énormément en technologie. Du phosphore, hop, 42. Parfait, là on est vraiment bien. Là on est pas mal. Ça, il faudrait plutôt une mine de phosphore et évoluer celle-là en mine de fer. On va transformer celle-là en phosphore. Hop. Ça donne leur un peu de technologie. Ici aussi. Ah non. Ah non, vous avez pas osé. Ah ouh là là. Ils sont en colère ceux-là. Faudrait que je trouve comment calmer les villages parce que là ils m'ont cassé tout mon truc.
Ça m'arrange pas tout ça. Ça ne m'arrange pas. Vous en avez encore après mon géant, vous ? Non, bah alors là, venez. Ils sont tous les quatre ici. On va vous calmer une bonne fois pour toutes. Est-ce que je peux me soigner moi-même ? Non. Non, ils attaquent. Allez, toi, tu vas tirer ici. Et toi, tu vas les attendre avec un gros coup ici. Ça n'a pas marché parce qu'ils étaient sur l'eau, je suppose. Et voilà, il n'y en a plus. Bon, ici, ils sont pas contents, hein. Et ils veulent que les géants leur donnent plus, mais... plus de quoi. Allez, revoilà. Je sais pas si ça marche si je tire dans l'océan. On verra bien. Maintenant ils attaquent celui-là. On va les laisser débarquer. Vous attaquer en boucle. Pourtant, il nous reste encore 16 minutes. J'ai pas bien d'idée là pour vous calmer. Ouais, même le géant des mares, il se demande. On va attendre, ceux-là aussi on va les avoir. Bon, de toute façon, notre objectif d'avoir un village à plus de 500 de prospérité, il est bon. C'est-à-dire que c'est le principal, au moins on pourra passer niveau 3. Après, bon... si pendant 10 minutes on doit encore s'amuser à se défendre. Ils ont fini, tous me les attaquer. Si pendant 10 minutes on doit encore passer du temps à fuir et se défendre, c'est pas pratique. Ça les a même pas tués. Voilà. Ah bah ils sont contents maintenant. On peut dire avec le massacre que je viens de faire.
n'ont peut-être pas bien envie de m'attaquer. Bon, du coup, on va les regarder évoluer un petit peu tranquillement. Ils commenceront peut-être un autre projet, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de place. Faudrait pousser un peu là. Tiens, pourquoi ils ont plus que 200, mais si, a priori, c'est suffisant. Bon. Il se passe pas grand chose. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va creuser un peu ici. Et voilà. On s'est fait un nouvel océan. On va agrandir ici aussi. Quoique, on va continuer ici. Je vais aller planquer mes géants à l'autre bout du monde pour l'instant. Vu qu'ils passent leur temps à m'attaquer et à essayer de me les tuer, on va essayer de pas faire de game over. Surtout qu'on a réussi l'objectif qu'on voulait. Du coup. Est-ce qu'on peut creuser ici? Bah, parfait. On va attendre que ça se recharge. Oui, je suis maniaque, je n'aime pas les petites buttes là. Parfait. On va voir celle-là aussi. Oui, j'essaye de meubler en attendant que la partie se termine. Ou qu'il nous lance un nouveau projet, mais le problème c'est que s'il lance un nouveau projet, je pense qu'ils vont pas nous accueillir à bras ouverts si on y retourne. En tout cas, ils ont l'air de bien évoluer. On va voir, peut-être que le village va grandir un cran. Maintenant, on va partir de l'autre côté. Alors oui, au niveau de la durée du let's play, donc j'ai regardé un peu, et du coup le niveau 3 est un peu le dernier niveau du jeu, même s'il nous reste plein d'achievements à faire. Alors j'envisageais, si on arrive à débloquer le niveau 3 sur cette partie, de faire une partie au niveau 3, il me semble que c'est 1h30, donc 3 épisodes de plus, et je pense que ça clôturera le let's play. Alors n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore une ou deux parties de plus, mais je pense qu'on a globalement fait le tour, même si de nouvelles parties, finalement avec des achievements en plus, vont nous apporter ben, notamment des nouveaux bâtiments, ou des nouvelles évolutions au niveau des ressources. Globalement, on a fait le tour du jeu.
Et on va juste débloquer plus de choix pour nos parties. Après, d'une partie sur l'autre, ça se ressemble quand même un peu. Alors, je ne dis pas que le jeu est lassant, mais disons qu'à regarder, ça ne doit pas être très intéressant à force. Donc je pense que 3 épisodes supplémentaires, ce qui portera le let's play à 10 épisodes, ce sera largement suffisant. Alors bien sûr, hein, derrière, on enchaînera sur un autre jeu. Pour l'instant, je ne sais pas lequel. Mais on verra bien. Après, du coup, si on compte encore 3 épisodes, au moment où vous regardez celui-là, ça laisse encore 3 mercredis avec un épisode. Ça fait encore pas mal de temps. Allez, on va essayer de creuser encore un peu. Alors ici, ils ont toujours pas évolué. Pourtant, ils avancent bien, hein, prospérité 620. Voilà, ils ont une belle planète bleue. Limite, je leur couperais bien aussi là, à côté de chez eux. On va pas être trop cruel quand même. Allez, on va creuser la montagne et puis voilà, on sera bien exilé sur notre petite terre en bas. Oh, c'est intéressant ça, comme le géant des océans peut réduire une montagne. Ah, ça, c'est une découverte. Voilà, nos géants sont planqués. Ce qu'on peut faire en attendant. Aussi, c'est aussi regarder un petit peu pour notre prochaine partie, finalement, les sorts. Donc, le géant des océans peut poser des animaux qui génèrent de la nourriture. Lui, il a une évolution pour les plantes, pour les animaux et pour le minerai. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Avec un désert ambassadeur. Ok, un boost de fertilité. Ça, on connaît bien, on n'arrête pas de les utiliser. Lui, on a le Hunt Aspect qui pourrait être intéressant. Et on a Migrate. Ok. Pas sûr de bien saisir, faudrait que je l'essaye. Lui, on a Noble Aspect et Seism Aspect. Avec lui, ça serait intéressant de débloquer un peu plus. Je pense qu'on se fera un village du désert dans la prochaine partie. Et là, il nous manquait le Predator Aspect. Bien. Ok. Mais on ne peut pas enlever un ambassadeur qu'on a déjà. Il nous faut encore à peu près 300 de prospérité pour avoir un nomade. On aurait pu espérer qu'un village se reconstruise, mais non. Ils ont trop fait la guerre. D'un côté, je les raserais bien. Parce qu'à cause d'eux, ils nous ont totalement détruit le village qu'on avait là. Mais bon, on va pas saboter notre objectif. Alors si je dis pas de bêtises, on devrait avoir deux objectifs, à savoir avoir réussi un village de forêt à plus de 500 de prospérité et avoir réussi à mener 3 projets à bien. Enfin, je suppose. À moins qu'on l'ait fait la dernière fois, j'ai un trou, je ne sais plus.
Pourquoi ça fait des bulles ici? Ah, c'est peut-être parce que la symbiose marche. Non, pourtant ici aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nature. Ok, la nature a priori ça a une influence sur les symbioses. Bon, ici on n'a rien à évoluer. Ah oui, ils ont grandi. Peut-être un projet. Croisons les doigts. Allez, un petit projet histoire de nous occuper. Oui, non, peut-être. Bon, ils ont pas l'air chaud. Bon, on va regarder un peu leur vie. Eux, ils aimeraient bien évoluer technologiquement. Là-bas, ils parlent du beau temps et de ce qu'il va manger. Ah, lui, il jouerait bien de la musique. Lui, il a faim. Ah, lui, il préfère les bananes plutôt que la viande. Ah, il lui demande comment c'est, les bananes. Il dit que c'est un peu le goût des poires. Oula, là, ça dérive totalement. Ouais, ils vont aller boire un coup, ils ont raison. C'est quand même bien animé. Ah, on a retrouvé le professeur Tournesol. C'est intéressant de regarder un petit peu leur petite vie. Oh, c'est intéressant, là on peut savoir. D'accord, ça je ne savais pas. Donc en gros, la prospérité est liée au village, aux ressources qu'ils ont. Donc là, 620, c'est le total de toutes les ressources qu'ils exploitent. Ah, donc là il risque plus d'évoluer vu qu'il n'y a plus de ressources. Mais oui, forcément. Alors il me faudrait une plante. Le blueberry peut évoluer en strawberry ou en apple tree. On va l'évoluer en apple et lui on va l'évoluer comme ça. Pour l'évoluer en apple, il nous faut du laisseur. En espérant qu'il se fasse pas attaquer. Allez. Ah oui, mais c'est vrai qu'on s'était exilé un peu loin, va falloir le temps qu'il arrive. Et du coup, là, vous voyez, ils exploitent de nouvelles ressources et la prospérité augmente. Donc ça, c'est très intéressant. Je le découvre que maintenant. Et puisque je vous rappelle, je ne joue pas en dehors des vidéos, histoire de pas faire d'achievement sans vous. Enfin, du coup, je jouerai sûrement après le let's play. Pour découvrir un peu ce qui me reste à découvrir. Hop, 180. Est-ce qu'on a les plantes de base? Je ne sais plus. On va essayer. Ouais, on les a a priori. Et voilà, là ils peuvent encore évoluer en prospérité. Ah bah on aurait su ça plus tôt. On va donner un peu de nourriture en plus. Bon, c'est pas mal. Allez, va te planquer avant qu'il t'attaque. Alors on voit que la prospérité monte pas mal. Ah bah mince, on aurait su ça, on aurait peut-être pu évoluer encore un peu le village. Par contre, il va falloir que je trouve comment améliorer leur prospérité sans
améliorer finalement, enfin sans augmenter leur agressivité. Hop, les géants vont pioncer. Allez, on se décale un peu tous. Et de 1. Et de 2. Ah, vous deux, vous ne dormez pas. Non, eux, ils ont décidé de rester debout. Ah non, lui, finalement, il tombe de fatigue. Plus qu'un, et la partie va se terminer. Et voilà. Alors, un achievement. Deux achievements. Finish un era avec un village qui a plus de 650 de prospérité. Donc on a débloqué les Great Dragon Fruit et Forest City. On a débloqué les Plume Tree. Ok. Bien, du coup on a le niveau 3 avec plein de nouveaux achievements à faire. Pareil, on a énormément d'évolutions encore non débloquées qui sont liées aux achievements. Enfin, encore pas mal de trucs à découvrir dans ce jeu qui est vraiment intéressant. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour l'épisode 8. Allez, salut à tous!